On est de retour en bord de mer, ça fait plaisir. Ou pas. Silver et HN toujours prêts à mourir. Pour bien évidemment le bien du groupe, hein. C'est pas parce qu'ils sont masochistes et qu'ils aiment mourir. Mais bon, à un moment, faut qu'on les laisse faire leur vie.
Et voilà, j'ai pas d'autres conneries à dire. Hein. Si, je l'ai mis dans les posts sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis en sous-titre du stream. Il y a un boss aujourd'hui. Enfin, un boss. Une quête où on est obligé de battre l'ennemi pour pouvoir avancer. Sauf que on n'est pas prêt. Même si à la fin. Alors, je me souviens pas si on est allé. Si on était au quatrième étage. On était au quatrième étage, mais je crois pas qu'on l'a exploré. Ce qui signifie qu'on va commencer par explorer le quatrième étage. Essayer de prendre quelques niveaux. Parce que le troisième étage, ça avait l'air d'aller sur la fin. Est-ce qu'il y a des poissons? Il n'y a pas de poissons. Ouais, il y a... On va explorer le quatrième étage, prendre quelques niveaux. Parce que là, du coup, on est quoi? Niveau 10, 11, je crois. Ouais, 11. Bon, j'imagine que le Zoran, Astarox et Artax sont bientôt niveau 12, comme d'habitude. Toujours à quasiment un niveau d'avance sur les deux branques qui sont à l'avant. Et du coup, ben, on va faire comme d'hab. Hein. On va traverser tous les étages. D'ailleurs, avant que j'aille trop loin, est-ce que j'ai un fil d'Ariane au cas où? J'en ai pas. Ça pourrait être une bonne idée d'en emmener un. Si déjà on va explorer un étage pour lequel on n'est absolument pas sûr d'avoir le niveau. Non, pensez pas. Voilà, un fil d'Ariane, c'est très bien. On a une tente au cas où, sauf que... Vu que c'est la chaîne qui meurt en premier, ben, on ne pourra pas ressusciter les autres personnes, donc ça ne servira à rien de pouvoir utiliser cette tente. C'est pas avec carré. Je suis encore sur métaphore pour les boutons. Métaphore que je n'ai malheureusement pas pu streamer dans de bonnes conditions lundi. Le jeu était malheureusement trop gourmand pour mon petit PC. Enfin petit. Mon PC qui dans l'absolu il est bon hein, mais il est juste pas au niveau pour un jeu moderne. Mais on reviendra dessus un jour. Hein. Voire même, on fera peut-être un long play un jour. Parce qu'au final, soit... Bon, après, ça serait 30 semaines quand même de... Tu me diras, j'ai dû passer 30 semaines sur Phantasy Star 2. Donc, l'un dans l'autre. Et au moins, ce serait une meilleure expérience. Est-ce que je privilégie les platypus qui vont essayer de m'empoisonner? On va d'abord faire les platypus. Le poison, c'est trop violent. Non, non, les lynx sont vraiment plus du tout dangereux, là. Ok, alors là, c'est quoi le chemin? Ok, faut que je parte comme ça. Merde, non, je voulais pas faire automatique, j'ai inversé les touches! Lui, faut utiliser de la magie pour le tuer parce qu'il a grosse défense, je crois. Bon, ça n'a pas l'air si ouf que ça. Oh punaise! Ok, non, ça va. Ça va, ça va. Non, un oiseau. Ok, si lui il dort, je peux me concentrer sur l'oiseau. Ouh, le coup critique de Silver! Ok,
punaise, du tout de se réveiller, c'est pas grave. Notre coup critique. Putain, il est sort les coups critiques là, Silver. J'avais investi sur son machin qui augmentait les coups critiques, j'en avais presque pas jusque là, mais. A-t-il libéré tout son potentiel, enfin? Alors, on est vraiment tout au début du coup. On avait vraiment rien cherché, mais on est full life. On n'a pas utilisé de TP. Je vais faire une petite sauvegarde rapide du coup. On reçoit un medic à 2. Narmer. En l'ancienne langue, ça veut dire Raging Catfish. Mais non, Narmer, c'est un pharaon. C'est le premier unificateur de l'Égypte. Enfin, on suppose, parce que c'est ce que disent les textes égyptiens, quoi, mais on n'a pas de traces réelles de son existence. À part des trucs bien plus récents. À l'échelle de l'Égypte, hein. Parce qu'évidemment, à notre échelle, ça fait pas un gros écart, hein, 500 ans. Quand ça s'est passé il y a... 4500 ans, ouais. Do not fight it in anything but peak condition. Man, you live long enough for our paths to cross again. Goodbye. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais pas allé plus loin. Où est-ce que je vais? Est-ce qu'il va revenir sur moi? Non, ça va. Ça doit faire une genre de boucle, donc on va faire par là. Ah ah! Take! Mais je ne peux pas take! Mais je vais mettre... un petit rappel. Ok, je suis juste derrière lui, donc ça c'est pas mal quand même niveau timing. Ce machin... Attends, non, il a combien de points de vie? 172! Faible au feu et à la foudre. Ok. On va une fois le taper en prio parce que les autres, je crois pas qu'ils aient grand chose contre nous. Quoique, attends, faible à la foudre, hein, il a dit. Ouais. Ok, non, on va taper. Non, mais les Deadly Durian, je pense que la magie arrive à les tuer. Ouais, ouais. On va taper lui. Toi, Binary Thunder sur tout le monde. Ouais, ouais, ça les one-shot tous. Ça achève pas les derniers. Je peux faire un automatique là, je pense. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Ok. Là-bas, il y a un chemin. Je vais juste tout de suite mettre la petite flèche. 1, 2. Là, ça c'est là où on arriverait, et du coup, on va mettre là. Voilà. Je pense pas que ça vient de ce côté, ce sera en retour. Il faudra l'activer, et ça nous permettra sûrement d'aller plus loin, plus vite. Je vais voir des petites fleurs là qui indiquaient un chemin. Une porte avec une lune dessus, hop. Oh! Shit, j'ai jamais affronté ça. Qu'est-ce que c'est? Enfin, non, je sais ce que c'est. C'est un grand anaconda. Un anaconda. La question, c'est comment je le tue? Je vais essayer de faire un Kikoken. Peut-être que si on peut le paralyser, ça pourrait être une bonne chose. Augmenter la défense de ceux de devant aussi, parce qu'ils ont quand même la capacité, ne l'oublions pas, de mourir. Oh, il a paralysé. Ok, ils ont l'air faibles à la glace. Il est paralysé, je pense que je peux l'attaquer normalement. Yes. C'est plutôt bien passé. Ok, ça c'est faible, lui j'en ai déjà eu. Non, pas encore, apparemment des Devil Fish. Donc on va les attaquer. On va attaquer lui en priorité. Les autres feront presque rien, c'est... Non, ils ont tapé Artax, du coup je récupère pas de points de vie.
Yes. Tout se passe bien pour le moment, tout se passe bien. On explore pas mal. On n'a pas encore trouvé d'ennemis qui nous massacrent. Je vais essayer de retourner un peu vers l'entrée quand même, juste pour essayer de pouvoir tout de suite libérer au plus tôt les chemins. Ah, ça devrait être là. Est-ce que ça veut dire que j'avais décalé le truc? Bah oui. J'avais pas réalisé qu'il y avait un. C'est pas grave. Hop. Bah du coup ça me l'a pas enlevé l'autre. Voilà. Non merde! Oh, j'ai encore confondu les touches. En vrai, confondre les touches, ce serait vraiment pas un problème. Si, comme pour... Oh shit. C'est faible à quoi? Il n'y a pas vraiment... Enfin si, feu, mais j'ai pas d'attaque feu. Ah, d'accord, il peut pas retirer. Voilà, c'est pas bon. Putain, je pensais que je pourrais faire ça, mais du coup. Attends. Unbind. On peut pas savoir qu'est-ce que ça fait. Si je fais info. Il est mal. J'aimerais savoir en fait si le skill là. Unbind peut permettre de soigner les maladies. On va essayer. Hein. Résiste à ça, donc c'est pas utile. On va faire Guard Order, juste parce que ça fait régénérer un peu de vie. Hein. C'est vraiment juste dans l'idée de lui donner voilà, quelques points de vie en plus qui... Non, ça marche pas. Le Zoran! Ok, bon, c'est pas... On va juste attaquer. Et on va faire Resurrect sur le Zoran. Wow! Mais oui, putain, j'avais oublié que j'étais là! Évidemment que ce truc il apparaît! Et merde! Et merde, et merde, et merde! Tirez-vous! C'est la mort. Heureusement que j'avais fait une sauvegarde rapide, hein. Heureusement, heureusement. Tout ça parce que j'ai voulu colorier la map à un endroit où c'était inutile. Bon. En plus, du coup, le chemin n'est plus activé, donc vas-y, on y retourne. Là. Sauf que cette fois, on continue. On va juste taper.
Même pas, je vais m'emmerder là. Hop, on va recharger. Parce que. Zut! Hello Anor! Quitter la boutique depuis 2 semaines. Putain. On peut pas toujours être dispo. Ok, je vais pas me faire avoir cette fois. Eusoran, Binary Thunder. Éclate-les! Voilà. Blablabla. You see still trashing? Slashing? Je commence, je sais pas comment on se fiche. Falling on the ground. Reflexively turn toward the source in befuddlement and see a bear catching fish. Le poisson qui a volé devait être par son catch. J'ai loupé un truc quand même hors de la chaîne. Alors oui, figure-toi que oui, mais j'ai rechargé parce que ça m'a saoulé. Bah c'est le combat que je viens de gagner, du coup j'ai rechargé. Juste avant ça, en fait, j'ai perdu un autre combat. Connement, parce que j'ai pris trop de temps et le machin... Les ennemis qui se battent sur la carte de manière visible, en fait, a fini par faire le tour et a arrivé sur moi et j'ai pas réussi à fuir. Et quand j'ai rechargé, j'ai connement perdu le combat parce que j'ai été trop confiant. Alors, en faisant attention... Il y a un truc de soin près du poisson qu'un autre explorateur a peut-être laissé. Est-ce que j'essaie de choper le médicament sachant qu'il va peut-être croire que je prends le poisson? Non, c'est bon. On va lui laisser son poisson à l'ours. Voiture. Un anaconda! Ouais, c'était bien faible à la glace du coup. 296 points de vie. Mais par contre, Ashen avait réussi à paralyser un anaconda avec son Kikoken. Et ouais! Storks, je vais lui faire augmenter la défense quand même. Parce que je sais pas encore comment il tape fort vu qu'il avait été paralysé tout à l'heure. Ouais! Je pense que j'ai bien fait de... Hein? Défends-toi. Tente Kikoken avec un peu de chance. On le paralyse. Attaque et Ice Stars. Ça devrait... Ah bah voilà, il est nous paralysé. Nickel. Ah, Silver a déjà sorti 2 coups critiques. Là, Kikoken paralyse 2 fois. C'est... Oh! Et je reçois un drop rare. Enfin, une sauvegarde rapide. Ok. Et maintenant, vers où je vais? Là, il y a un coffre. Si je vais par là... Il n'y aura vraisemblablement pas de raccourci. Là-bas, on a l'air de pouvoir partir à droite. Oh, attends, il y a une boule de feu. Je vois la boule de feu. Est-ce qu'il va pas arriver de ce côté? Donc je vais partir. Ah bah non. Ok, elle vient par là. Fais chier. Et... Oh putain, je vais mourir. Est-ce que c'est une bonne idée de faire une sauvegarde rapide ici, sachant que je risque d'être bloqué? Non. Zut.
secours! Non! Ok, vous, vous allez vous défendre et vous, vous essayez de fuir. Oh yes! Incroyable. Alors on va partir par là pour se rapprocher de nouveau de l'entrée. Oh, j'ai cru voir qu'il y avait un... Oh non, on se prend par surprise. Les deux sont faibles au froid. Putain, si seulement Artax avait l'attaque de glace qui touche tout le monde. Là, là, ça ferait du bien. C'est pas grave. Skill. On va essayer de l'aveugler. Toi, tu vas te soigner. Toi, tu vas faire de la foudre sur tout le monde. Toi, tu vas augmenter ta défense de devant. Et Ice Star sur l'Anaconda. Parce qu'il tape vraiment fort, ce truc. Je pense que c'était un bon choix là. Ok, en plus il s'est fait aveugler. Ok, ok. On claque les TP là. C'est. L'objectif va quand même être de survivre. J'avais pas besoin de faire le Binary Thunder, mais c'est pas grave. Ok, il y a un truc qu'on peut inspecter. Hop. Blablabla. Il y a une douce odeur dans l'air. Ah, le. C'était la quête secondaire, ça. Ok, donc faut smoke le nest. Ensuite. On grimpe. Et maintenant, je sais plus. Est-ce qu'il faut couper juste le nid ou toute sa branche? Je crois que c'était juste le nid. Oh yes, je m'en suis souvenu correctement. Putain, c'était la semaine dernière, ça, quand même. Sauvegarde rapide, hop. Ça fera de l'XP en plus quand on rentre. Oh. Deux personnes sur le pont. Ils ont l'air de faire partie de la guilde Mulotsumi. Il y a le Ninja Boy qu'on avait déjà vu. Vous êtes venus pour battre Narmer. Les testerez mentir. Bah oui, on est là pour ça. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble pour battre cette chose? Je vais aller au deuxième stratum, mais. Ok, écoute, si tu veux. Hein. Le garçon repart et rejoint la fille qui attend sur le pont et les deux partent. Ok, mais c'est pas important parce que nous ce qu'on veut c'est ça. Là. Oh, en plus c'est un endroit où il y a un camp. Littéralement à côté de l'entrée, on peut camper. Finalement, on a pas mal exploré déjà ce niveau. Je m'attendais à être beaucoup plus en difficulté vu comment le deuxième et troisième niveau nous avait à chaque fois accueillis. Donc, par contre, là, j'ai plus beaucoup de TP pour... On va nous essayer de le paralyser. Le Zoran va juste attaquer.
Donc on a toujours la défense et Ice Star. Ok, il est paralysé. Il a réussi! Non! Silver! Pourquoi? Pourquoi? Il était paralysé, pourquoi a-t-il réussi? Putain! Bon, c'est pas grave. Ça confirme juste qu'il va bientôt falloir retourner en ville. Et que je dois pas me reposer sur mes lauriers. Même si ça s'est bien passé jusque-là, ça veut pas dire que ça va continuer comme ça. Je vais déjà mettre la porte. Est-ce que j'ai peur que le combat se lance tout de suite ou quoi? Non, ah ben. On voit l'astrologiste Hypatia qui apparaît derrière nous. Ce truc plein de boue, c'est son nid. Narmer utilise la boue pour se déplacer librement dans les marécages. Je sais pas si Wetland ça se traduit par marécage, mais... comme il se sent bien dans les marécages, il faut réussir à bloquer son passage. Et pour que ce soit à mon avantage, il faut que ce soit entre les endroits boueux et les endroits libres. D'accord. Et il faut le frapper par derrière. Eh ben. Ça a l'air bien compliqué leur histoire. Oh, il y a un chemin là-bas. Où est-ce qu'il... Il a disparu? Ah non, il est là-bas. Où je peux passer? Oh! Pourquoi il passe pas en jaune? Comme si il était libéré le chemin. C'est curieux. Namrita. Je vais mettre le coffre. Hop. Ah mais attends, c'est peut-être en fait pour pouvoir le prendre par surprise qu'il faut que j'utilise ces trucs-là. Je le vois plus. Ah, je pense que ça va être un truc de ce genre. Il y a une porte. Hein. D'accord, j'ai pas le droit de continuer par la porte. Tant que je l'ai pas battu. Je me doute que je suis pas prêt hein, pour le combattre, donc je vais pas chercher pour le moment. Et surtout, j'ai plus assez de mana, on va dire. Pour pouvoir raisonnablement l'attaquer. Ok, genre là, quand il est dans le coin, je pourrais. Il a pas l'air de bouger. Donc ce qu'il faut... Bon, tu sais quoi, on est là, hein, on va tenter. Ah non, il s'est barré! Petit con.
Vas-y. On fait tout, on le paralyse, on l'aveugle, on l'électrocute, on augmente nos défenses, et on le gèle. Il a évité la foudre. Je suis sûr que c'était ça. Pourquoi ça m'a pas mis ses faiblesses là-haut? Limite. Kikuken. Et voilà, il a plus assez le Zoran. Rien ne va marcher. Bah évidemment que rien ne va marcher. Je me demande si ça... C'est quoi, je vais l'essayer. C'est l'occasion. Ça fait peu d'allant dégâts. Oh, il est paralysé. Ok, là, il s'est chargé en énergie. Du coup. Ce que je voulais voir aussi, c'est du coup info. A priori, il n'y a rien qui reste. Donc, il charge l'attaque pour un seul tour au final. C'est pas hyper utile. Bon, on fait rien en dégâts. Hein. C'est. J'aurais peut-être dû faire ça plus tôt, mais bon. Et ça pourrait être utile. Ah oui, non, mais ça sert juste pour le monarque. On n'a plus de TP là, hein, donc vraiment là c'est juste. Ah non, tu sais quoi? Je peux encore essayer de le reparalyser. Ah bah! On savait que ça finirait comme ça, hein. C'était vraiment pour tester. Bon, à savoir, du coup, on peut quand même le paralyser, hein. Évidemment, ça n'a pas été très efficace ni utile, mais on peut. Attends, ce qui aurait été... Voilà. On n'est pas loin de la sortie. En vrai, est-ce que je pourrais... J'allais utiliser une tente, peut-être. C'est chaud, mais sur ma... Bon, en fait, il faudrait avoir une grosse chance sur... sur la paralysie. Genre au premier tour, réussir à paralyser. On a bien fait de faire la défense avec Silver. Hein. Réussir à paralyser au premier tour. Et que ensuite la paralysie fonctionne bien. Ce qui est évidemment très improbable dans ce jeu. Et ouais, dans ces conditions... Pourquoi je suis allé là? Ce qu'il me fallait, c'était attendre, c'était dormir. Et comme ça, du coup, si Astarox n'a pas été touché, on récupère les points de vie qu'on a éventuellement perdu au premier tour. Et là, alors, et encore la vie qu'il a, le truc. Mais le Zoran, il n'y a plus assez de skill, de toute façon. En plus, la glace, il résiste. Oh, yeah! Ouais, c'est quoi, on va l'attaquer juste comme ça. Non, attends. Comme ça. Voilà. Voilà. Et normalement, Ice Star, ça doit suffire pour le gigapède. Voilà. Et là, on auto.
En vrai, on n'a pas vraiment d'intérêt à essayer de le combattre maintenant. On va redescendre, on va ressortir en ville. Celui-là, il s'ouvrait pas. Ouais, on va retourner en ville, on va vendre tout ce qu'on a reçu. On a potentiellement du nouveau matos à acheter. Après, un petit bataque, ça c'est bien du coup. Glace, glace, foudre. Et ça marche. On continue d'attaquer comme ça, il y a juste... Ah, oh, il a plus assez non plus Artax là, vas-y. Mais en vrai, je pense qu'il y a peut-être deux niveaux de plus. Ah bah tiens, en plus j'ai encore un nouvel objet, parfait. Potentiellement plus de matériel à acheter. Mais ouais, je pense qu'avec un niveau ou deux en plus, vraiment, c'est par là. C'est possible de... Parce qu'il tapait fort. Mais c'était pas non plus du one shot, donc avec quelques niveaux de plus, peut-être un peu d'équipement... Il y a sûrement moyen. Il y a sûrement moyen de moyenner. Bah tiens, on est déjà de retour. Il est minuit, ça s'ouvre pas? Non. Quoi, je vais aller faire monter un niveau à Shen et Silver avant qu'on retourne en ville. Alors, 191 d'XP là, ça va, ça ira vite. Voilà, 138. Allez, 3-4 combats encore, selon sur quoi on tombe. Il est 13h43, en vrai, si on y retourne d'ici une heure, sauf si bien sûr je passe ma vie à pêcher. Je pense que c'est possible. Allez, 54, peut-être même un seul combat du coup. Avec un peu de chance. Allez, allez, un petit gigapède peut-être. Non. Bon, il y aura un troisième combat. C'est quoi 18? Je vais pouvoir déjà aller par là. Même si c'est un combat du premier étage, je devrais choper 18 points d'expérience par personnage. Sauf si bien sûr c'est ça. Il manque 3 points d'expérience, putain! Il fallait que de tous les combats je tombe sur le truc le plus pourri. Allez. Voilà, hop, on retourne en ville. Première chose à faire, est-ce qu'il y a du poisson? Oui!
peut retourner, hein, parce que ça sert à rien là. Est-ce qu'il y a encore du... Ouh, du poisson doré. Go, go, go. Ok, il me reste quoi? 3 tours. Je peux rien explorer que je n'ai pas. Si. Je vais aller là. Ah bah non. Ok. Merde. Et 86 EN. Est-ce qu'il y a encore du poisson? Non, pas de poisson. Ok. On va aller vendre tout ce qu'on a trouvé. Oh là là, ça rapporte! Et il y aura de nouvelles armes là, c'est sûr. En vrai, j'ai encore la Stunblade aussi. Qui peut l'équiper? Mais le Sovereign, il fait quand même un peu de dégâts, donc ce serait... Après, ce serait quand même utile, hein. Bon, arme. Ok, j'ai rien de mieux que la petite épée pour le moment. Le moine, on avait dit, il peut rester au point désormais. Ouais. Le Zodiac. On pourrait prendre la dague, mais après il perd en tech. Avec le livre par contre, non, il gagne des TP en plus. Ça, je le prends pour les deux, déjà. Voilà. Et lui, 73, il a 55 actuellement, donc ça aussi c'est un bon gain. On va lui prendre... On a presque tout claqué en thunes. En armes. Le pédant de bouc, je vais le garder parce qu'il peut endormir. Ça reste utile. Armure maintenant, faut voir pour les nous les habitués là de la mort. Si on pouvait avoir le poldron, je sais pas ce que c'est, un Eastern Nest, un nid de l'Est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est censé être? Des tough fillers, je sais plus c'est sur quoi qu'on les obtient ceux-là. Mais on en a obtenu, on en a vendu. Et ça permettrait d'avoir un petit plus 10 en défense, que le moine pourrait aussi avoir. Donc ce serait pas mal. Ouais, peut-être essayer de choper ça. Et pas un... des accessoires aussi qu'on avait... Améliorer la précision, ok. Ok, ok. C'est pas trop mal. On peut compléter la quête là aussi. 600 EN. Bah voilà, déjà ça nous... ans d'expérience, on a reçu 600 EN. Ça c'est toujours des farmers. Oh, ça c'est pas mal pour farmer. Pour prendre XP. Faut enchaîner en gros les combats contre des poissons. Qui peuvent faire les poissons bleus là, c'est ceux qui nous avaient fait mal. Mais en vrai... Après on gagne juste de l'Amrita, mais il y a l'XP quoi. Que je le prends. On va dire non pour le moment. On va attendre demain matin. Hop. On va faire leur niveau. Là, on avait dit on continue de monter la Rapier Mastery là. HN, ce qu'on veut c'est contre et retaliate, donc on va continuer à monter son Fist Mastery. Voltup il est maxé là, alors qu'est-ce que je fais?
Chercher les trucs de Dark Aether, ce serait pas mal. Dans l'absolu, parce qu'il y a la singularité. Ça permettrait d'avoir Météor aussi plus tard. Ou alors je lui mets Fire Up. Ça me permet d'améliorer mon coverage. On fera moins de dégâts au départ, mais si on se retrouve contre des ennemis où ils sont faibles au feu, genre la plante là. J'ai jamais rien pour répondre efficacement dessus. Je pense que c'est un bon choix. Astarox, on avait dit qu'on cherchait quoi? Il y avait ça qui faisait des dégâts. C'était peut-être ça que je voulais du coup. Je pense que l'idée de base, c'était partir sur augmenter Guard Order jusqu'au niveau 5 et après seulement faire Attack Order. Parce que bon, mettre un élément sur l'arme d'un seul allié, c'est pas mauvais. Mais j'avais essayé avec. Je crois que c'était Danseur qui faisait ça dans le 2. Le truc, c'est que tu fais une attaque et tu perds l'élément, donc c'est pas hyper utile. Donc je pense qu'on va augmenter ça. Surtout que la défense, on en a quand même très besoin pour ceux de devant. Là, du coup, on avait dit, on fait quoi? Etheric Charge. Ouais, je pense. Ok, là on a le niveau pour tout le monde. On va remettre un coup de sauvegarde. On va retourner au quatrième étage. Attends, d'abord, il faut que je regarde s'il n'y a pas de nouveau du poisson. Pas de poisson. On va retourner au quatrième étage. On va combattre un peu les poissons, justement, voir comment ça se passe. Et ensuite, on avisera sur quand on retourne en ville, est-ce qu'on prend la quête pour monter plus de niveau? Parce que si les combats de poissons ils sont simples, ça posera pas de soucis. On pourra farmer avec Astarox qui régénère chaque tour. Et Ashen, tant que lui ne meurt pas, on pourra ressusciter les gens. Silver avec sa maîtrise des épées, il commence à taper sacrément fort quand même. Je connais pas encore assez ce niveau, je suis à chaque fois perdu sur par où je dois partir. Je sais pas combien il a fait, mais c'était un coup critique. J'ai reconnu la petite différence d'animation. Il faudrait vraiment un jour que je prenne la peine. D'avoir des gens qui peuvent miner et tout, parce que. Il y a tellement de ressources à chercher comme ça, et c'est des ressources qui ramènent de la thune. Et la thune reste un problème récurrent pour nous, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut récupérer comme nouvel objet à vendre, enfin, même équipement, mais je suis où là? Tant qu'à faire, je vais essayer d'explorer le reste de cet étage.
Foudre, d'accord. Ok, tout se passe bien. On fonce dans ce couloir et on voit un coffre. On ouvre et du nectar. Qu'est-ce que ça fait déjà le nectar? Je sais plus. J'ai essayé de ne pas augmenter la défense. Ouf, ça fait. Les anacondas, j'ai un bon taux de drop sur leurs objets rares. Mais putain, ils font mal, hein. Ok. Un petit coup de sauvegarde. Alors, eux, le problème, c'est qu'ils lâchent du poison quand on les tue. Et eux, c'est 151 points de vie qu'ils ont. Donc, en vrai, ils ont pas beaucoup de défense, hein. Mais ils sont résilients. Il manque de l'ambroisie pour aller avec le nectar. Je crois qu'on en avait. Hein. Heureusement que dans ce jeu, le poison il reste pas après le combat. Bah tiens, j'ai une nouvelle nouvel objet. C'est par où ensuite qu'on explore. Un jour je me souviendrai que c'est la foudre hein, pour ce petit machin. Et un jour, je me souviendrai aussi, c'est quel des deux mages qui a les sorts de foudre. D'où ils sont aussi forts ces lynx? J'ai défoncé depuis des mois. Non mais il se refait tirer, tuer direct. L'état de la ligne avant. Magnifique. Mais j'ai reçu un nouvel objet. Non, mais heureusement qu'ils ont récupéré 26 points de vie chacun, quoi. Hein. On serait bien sinon. Ils ont été sales. Ouais, ça doit être ça. Mais encore! Tu sais quoi? Je pense que je vais faire plutôt comme ça. Comme ça. Volt Star. Je sens que la chaîne va se faire tuer dans cette histoire. Je sens que c'est un mauvais choix.
Ils viennent manger tous les autres lynx. Non, ça va. Non, il a quand même été tué. Putain, je me suis dit, c'est bon, le lynx est mort. Mais non. Mais non, bien sûr que non. Oh, connerie. Est-ce que j'ai quelque chose pour le ressusciter? Bah, c'est le nectar, justement, qui sert à ça. Le nectar, ça coûte trop cher. Je vais plutôt utiliser le fil d'Ariane, tant pis. C'est déjà. Mais pas de poisson. Non mais. Je pense qu'il se fout de moi. Le pire, c'est que j'avais hésité. Waouh, on est vraiment au deuxième étage, là? Évidemment, j'ai pas encore le sort de feu. Pour le coup, je vais peut-être remettre Guard Order, quand même. Ok. Là, c'est par là. Mais pourquoi il y a autant de lynx d'un coup? Il y en avait pas depuis des mois. Où est-ce que je suis sur moi? Putain, je suis bien perdu. Ah, là-haut. Je sais pas ce que j'ai avec ces étages, mais j'arrive pas. J'arrive pas à m'y repérer. Glace, pas de faiblesse particulière. Ok. Ça sent pas bon ça de nouveau. On va essayer de soigner. Vas-y, on fait un Binary Thunder, tant pis. J'ai oublié de racheter un fil d'Ariane.
Il est full life le truc. Il a pris zéro coup depuis le début. Il a... Non. C'est chier. C'est pas ce que je voulais faire avec Artax. Qu'est-ce que c'est que cette attaque qui vient de me foutre dans la gueule? Ok, bon, alors, si j'avais le moindre doute sur est-ce que je peux enchaîner les poissons, la réponse est non. Voilà, je suis dans la merde. Ça me fait chier, mais je vais utiliser le nectar. Sur HN. HN qui fait ensuite un Resurrect sur Silver. Ensuite, il faut que je remette le groupe dans le bon sens. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est reculer et camper. Je vais essayer de faire un combat avant quand même. Voilà, ça c'est bien comme ennemi. En principe. On va essayer de le rendre aveugle par contre. Ok, je crois que ça a marché. Il s'est quand même touché. Yes. Ok. Campon. Ça redonne pas tous les TP. Bon à savoir. En plus, là, le Zoran et tout, ils ont pas monté encore un niveau. J'aurais pas pu lui apprendre cette fameuse technique de feu dont je parle, que j'ai besoin depuis trop longtemps. Nouvelle... Oh, attends, il y a un chemin au fond. Deux anacondas. J'avais oublié que c'était beaucoup trop simple avec un seul à gérer. Ils ont fait la foudre? Non, mais ça fera des dégâts, c'est toujours ça. Augmente ta défense pour le coup. Ice Stars. Coup critique qui fait presque rien. Ça sert même à rien que je lui dise de se défendre à Silver, parce que s'il se fait toucher, il sera mort. Si je le soigne, il survivrait, mais HN va mourir. Parce que c'est HN qui se fera viser alors. Je suis dans une impasse. Je vais tenter, hein. J'ai pas le choix. Ah non, c'est bon, il a revisé Silver.
Photoshop. Alors, où sommes... je sais pas ce que c'est, un formaldéhyde, mais... On prend. Merde! J'ai mal compté. Je suis débile. Alors, le seul problème, c'est qu'on est dans la boue, donc il va encore me choper. On est passé. D'une manière ou d'une autre, on est passé. On est dans le gros caca. Où est-ce qu'on est? Oh, on est là-bas. C'est l'endroit que je voulais aller visiter avant qu'on ne se fasse tuer bêtement. Miné. En vrai, l'équipe est dans quel état? Elle est en mauvais état, l'équipe. HM, tu vas tout te faire un soin. Voilà, ça t'évitera de mourir connement au début du prochain combat. Attends, si je passe par là, je peux revenir vers le début assez facilement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Un seul anaconda, ça va. Le Grand Zéro s'est déjà sorti de situation bien pire. Ouf, oui et non hein. Dans ce jeu, jusque-là, c'était plutôt le Grand Zéro, c'est mort d'une situation bien plus simple. Ok. Donc on va remonter, parce que déjà, j'ai pas de fil d'Ariane pour repartir au cas où. J'ai pas de fil d'Ariane, j'ai pas de quoi ressusciter HN une nouvelle fois s'il meurt. Tout ceci rend cette exploration particulièrement dangereuse. Et bien qu'on soit de vrais aventuriers qui n'avons pas peur du danger, on ne veut pas mourir quand même. Ok, et avant que j'oublie, skill, le Zoran, Firestar. Voilà, ok, ça c'est fait. Là, on améliore encore Ward Order. Le renforce aussi, il donne que 6 points de vie en l'état. Mais c'est pas mal. Surtout que c'est un truc passif, donc celui-là, si je le monte, c'est que du bénef. Mais bon, en l'état, on monte encore de 2 niveaux. Ça sera 11 TP à lancer. Mais après, c'est pas un truc que j'ai besoin très souvent, donc ça va. Et on va continuer avec la charge éthérique. Okay.
En vrai, les ennemis qui se baladent là sur la map, je me demande si ceux-là du deuxième étage, je pourrais pas réussir à les tuer. Après, j'ai un doute, mais je crois que dans Etrian Odyssey 2, ce type d'ennemi-là ne te donnait pas d'expérience, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à vouloir les battre. Je sais pas si c'est encore le cas dans cet épisode. Mais ça permettrait d'avoir du loot différent encore et potentiellement du coup les objets dont on a besoin. Peut-être que je devrais essayer de farmer aussi au troisième niveau, parce qu'au final on n'avait pas farmé au troisième niveau. Genre troisième étage, on l'a visité. Je sais plus quel mob nous mettait un peu en difficulté, mais globalement ça allait. Et ensuite on est passé au quatrième et ça va encore. Le problème c'est les poissons là qui ont de sales techniques. Ok, un combat, 13 points d'expérience, même si on a juste deux poissons rouges. On aura assez d'expérience. Ok. Est-ce qu'il y a du poisson? Il y en a deux. Bref, j'aimerais bien essayer d'avancer là-dessus aussi. Parce que pareil, je sais que dans les speedruns, t'as un ennemi que tu peux combattre assez tôt, le battre assez tôt et qui te donne une masse d'XP. Purple legging, poison charm. C'est quoi le purple legging? Ça donne plus 1 et ça améliore la quantité de TP qu'on a. Ça pourrait être pas mal. Bah déjà ils ont pas de défense et plus 9 TP. Vu que c'est 8 par sort. Et qu'ils ont pas encore full équipement. Voilà. Topaz il faudrait pour le Leaf Blazer, est-ce que c'est bien 48? On avait dit que c'était combien le... Non, la veste de garde c'est 55. Et on avait chopé un Top Filler entre temps, faut que je regarde c'est sur qui qu'on chope ça. J'ai rien d'autre à... Ah non, attends. Je vais prendre un Fil d'Ariane et une Tente. Voilà. On va dormir. Non, attends, j'ai pas fait les niveaux de Silver et HN. Ça, c'est un coup que je vais oublier. Niveau 8 pour la rapière. Donc maintenant, on va monter la Gun Mastery. À moins que là, il y avait encore un autre truc intéressant. Et non, il n'y a pas de truc passif. Là, ça toujours reste Fist Mastery. Parce que ben, les soins, c'est bien. Juste là peut-être, target. Là c'est de... Niveau 3 ça fait quoi? Ça diminue juste le coût. Et à partir du niveau 4 ça remonte. Ah mais attends, c'est... Ok. En fait j'utilisais Unbind mais c'était Refresh que j'aurais dû utiliser quand... Ok. Ok, le coût diminue jusqu'au niveau 3 et après... Tu vises toute sa rangée, ce qui est vraiment pas mal. Ça rediminue
Ouais, en vrai, faudra quand même que je les monte ceux-là. Et ça aussi d'ailleurs. Faudra que je monte le soin. Parce que pouvoir soigner toute l'équipe, ça va être fort. Et j'en aurais besoin tout simplement. Le full heal aussi. Le line heal à la limite, moins. Encore que tu me diras, c'est souvent les deux de devant qui prennent des coups. Donc c'est peut-être même plus utile que le party heal qui est... En plus, je dois de toute façon monter niveau 5 le line heal. J'avais pas parlé de récupérer ça aussi. Récupérer des points de vie à chaque fois que tu utilises un skill, ça c'est utile. Est-ce que je cherche d'abord le contre? Ah mais attends, c'est un skill utilisable avec des TP en fait. Je vais pas dire je m'en fous du coup, mais c'est vachement moins intéressant. Je pensais que c'était un passif. Donc on va monter tout de suite le healing en fait. Et on va dormir. Et comme dit, j'ai bien envie d'avancer là-dessus, donc on va... non, je viens de sauvegarder, je suis con. En plus, je viens de voir, il y a un poisson doré juste en bas à droite. Ok, là, je peux rien faire en plus. Provision. J'essaie de comprendre où je suis censé aller pour avancer. Là, il y a une genre de barrière où on dit... Ah non, c'est juste à la limite de... J'ai encore deux tours en vrai, donc là, je peux aller. Là aussi. Et là, j'ai plus de provisions pour interagir. Chier. Ça nous fait dépenser de l'argent, mais on est dans une situation où au troisième et quatrième étage, on arrive relativement bien à farmer. Ah bah voilà! En fait, je pensais que l'arbre qu'on avait ramené, qui nous avait rapporté masse d'argent, servait juste à l'argent, mais en fait, non. Ben voilà. On a du fromage de mouton. Voilà, 16 tours. Ça coûte 70 par contre. Hein. Mais avec ça, on va pouvoir explorer. Alors, je vais juste aller sauvegarder. Non! Ah, là, on va se reconvertir en vrai pirate. C'est le capitaine Silver qui décide désormais. Avec 16 tours, on a de quoi voir venir. J'ai déjà tous les objets qu'il me faut au cas où pour retourner. Maintenant, faut juste que... Ok, alors... Un comme ça, un là... Ensuite, c'est un comme ça... Je suis pas sûr que les deux se suivent. Ok, il y a encore un comme ça, là... Il y en a sur trois trucs. Ensuite, on a un tourbillon ici. Inspect. Il y a une statue de dauphin. Ok, je sais pas à quoi ça sert, mais on l'a.
Ok, alors là. Y a des courants dans tous les sens. On se croirait dans Pokémon Rouge et Bleu. Est-ce que je devrais aller là? Alors avant ça. Comme ça. Comme ça. Là en face, il n'y a rien. Et là, il y en a un. Comme ça aussi. Le phare donne envie qu'on l'explore. Mais c'est notre... Alors tu te souviens peut-être pas, mais le capitaine nous a dit que notre objectif, en vrai, si on veut vraiment pouvoir de nouveau naviguer bien et tout, faut atteindre le phare. Il n'y a pas de... Je peux pas accéder au menu là, donc je pense qu'on va juste tenter. On va aller dans le tourbillon. Ah bah, ça a cassé le bateau. Et ça m'a coûté encore de l'argent. Bon bah, c'était pas une bonne idée. Du coup, je pense qu'il faut prendre le truc qui amène devant le phare. Donc ce serait celui-là. Et là, voilà, là on peut inspecter. Alors, votre bateau arrive finalement à atteindre le phare. Craint par beaucoup pour ses dignes monstres. Après avoir noté son emplacement, que personne n'a osé faire, enfin, comment y accéder, ce que personne n'a osé faire en plus de 100 ans, on retourne à Armoroad. Maintenant, on est plus proche de revenir à la gloire d'Armoroad. On a reçu un fort mast qui est bien pour attraper le vent. Ça augmente la distance qu'on peut se déplacer de plus 1. Ok. On a reçu 500. Maintenant que la route est sécurisée jusqu'au phare, on peut attaquer l'oiseau monstrueux qu'il y a là-bas. On a déjà eu pas mal d'aventuriers à sang chaud qui se sont rassemblés au port pour tenter leur chance. Si vous êtes prêts, vous pouvez leur donner un coup de main. Ok, donc Oceanic Quest, solo, yes, save your game. Scandalia Lighthouse. Écoute, on va y aller. Ah, ouais, les différents trucs. Alors, un ninja solitaire cherche le trésor appelé Swallow's Quarry pour sa maîtresse. Elle pense que le monstre du phare a la clé, d'accord. Un mage de feu cherche à voir les étoiles depuis en haut du phare. Et lui et son frère ne peuvent pas combattre le monstre tout seul. Une princesse du Nord est arrivée à la ville de l'océan avec son hoplite pour un truc royal. Elle doit battre le monstre pour mériter le trône. Ouais, bon bah écoute, on va tenter celui-là. Ah, j'ai une aide du coup. Ah, Starox, il va finir devant du coup parce que... Non! Je suis obligé de laisser un de mes persos en arrière. Mais c'est de la merde! Et là aussi du coup? Là, il y en a deux avec moi. Mais est-ce qu'ils gagnent tous au moins de l'XP dans cette histoire? Putain, mais en plus, c'est vrai, je peux quand... Oh là là! Elles ont l'air un peu merdiques, leur quête. Parce que si au moins on te disait oui, c'est bon, t'inquiète pas.
ils vont pas choper de l'XP que tu n'aurais. Enfin, ils vont tous choper l'XP normalement, ça va. Mais si au final c'est pas le cas. Inspect. C'est assez petit pour qu'un enfant arrive à traverser en un jour. Et elle serait facile à explorer. Vas-y. Et on cherche. Ah. Ce qui nous au départ était une démangeaison devient une peine très douloureuse. On enlève nos bottes et des fourmis taureaux sont en train de se balader sur nos pieds. La douleur est intense parce que on fuit. Et... Ok, on a réussi à choper quelques... Ah, c'est la ville en face, j'étais en train de me dire, mais attends, de quoi il me parle maintenant? Ça doit être Batavia, le commerce est connu, qui est connu pour son commerce. Tu voudrais trouver un moyen d'y accéder, mais tu n'es pas sûr de si tu peux. T'inquiète. T'inquiète, je peux. Voilà, hop. Bon, je suis arrivé du mauvais côté en fait. Oh, il y a un bateau pirate. Carrément. Ok, faut qu'on trouve un chemin pour aller à Batavia. Est-ce que je peux passer là-dedans? Il y a des récifs. Ok, je peux pas parce que c'est trop dangereux pour mon bateau dans l'état. Petite île tropicale avec des mangroves épaisses. Il y a un fruit, vas-y, on prend le fruit. Il avait l'air sucré, mais en fait, il l'a à peine. On le ramène, ok. Et terminé. Ah, mais c'est là en fait que je peux mettre le Formast. Et du coup, si j'ai le plus 1, j'arriverai à atteindre la ville. Vas-y. Oh. Ouais, en plus, si je prends le courant pour gagner du temps. Pourquoi ça avance forcément de 2? C'est de la merde! Ah, zut. Ok, on a quand même atteint l'objectif. Ah, punaise. Blablabla, on est à une lueur d'espoir pour Armoroad. Ah, on a de la choucroute. Et on a reçu de la thune pour ça, allez. Ah oui, 20 tours. Bon, ça coûte cher. Bon, le move plus 1, il est pas hyper hyper très très bien, je trouve. Oh, la statue de dauphin, ça me fait des rare fish plus. Bon, il n'y a pas de poisson, enfin, il n'y en a pas trop dans le coin, là, donc c'est pas utile maintenant. Il est content, il y a de la choucroute. Bah ouais. Qui ne voudrait pas partir en mer avec de la choucroute?
Ok, je vais aller explorer vers le nord maintenant, parce que je ne l'ai pas encore fait, et je me souviens qu'il y avait des îles. Celle-là, voilà. Hachan est excité et dit qu'il y a un barrel, un... Je ne retrouve pas le mot français. Un tonneau! Un tonneau, c'était un tonneau. Dans une crevasse. Dans les falaises. Et il y a effectivement ça, comme ma chaîne a annoncé. On peut aller le récupérer, vas-y. On trouve une pierre cristalline qui s'appelle Niter, qui est utilisée pour faire de la poudre à canon. Yes, on embarque. Et vas-y, on va prendre le courant là. Oh! Un bateau pirate qui semble avoir une aura étrange autour de lui. Ça fait un peu peur. Ouh, 200 mariniteurs! Est-ce que c'est un truc qu'on peut aussi équiper là? Non. Alors ce que je vais essayer maintenant, c'est m'approcher du phare. Parce que je me souviens qu'au début, on nous disait que l'oiseau monstrueux, il nous cassait le bateau quand on s'approchait. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Et j'ai perdu 70 EN. Je vais quand même essayer du coup une des quêtes... Ah tiens, je peux faire avec Trade City, qu'est-ce qu'ils ont eux? Sauvageon claim que ces bêtes sont plus fortes que tous les autres monstres. Il veut qu'on défie un... Bah voilà, là on devrait pouvoir y aller avec... Mais non, mais pourquoi il y a un Bergman avec nous? C'est qui ce Bergman? Arrêtez de nous foutre des gens avec, on sait même pas qui c'est. Ok, donc c'est le gars qui en fait veut qu'on... Mais il est censé nous prouver que ces monstres sont meilleurs, ça devrait être nous qui les affrontons alors. Un fermier ruiné sa femme. On fait grandir un nouveau fruit. Tout ce qu'il faut c'est le chip, l'emmener. Laisse-moi deviner, je vais devoir emmener sa femme et lui. Niveau 12 et 13, ok. En vrai, ça donne une bonne indication quand même sur le niveau qu'il faut. Docteur Ivo Bergman. Bon, mais ça fait penser un peu à... Eggman. J'allais dire Robotnik, mais oui, si, c'est Robotnik. Trois jeunes aventuriers ont trouvé un truc... Au lieu de le donner aux gardes, ils veulent... Battre les monstres de... Ok, je sais pas ce que c'est. Ace. Un pirate niveau 12. Un astrologue niveau 11. Et un... Ça doit être un... Les crossbows, c'était les... Comment ils s'appellent? Bon, on s'en fiche. Je vais regarder quand même les trucs de Scandalia Lighthouse. Quel niveau ils étaient les... Niveau 7, ok, ça doit le faire. On doit pouvoir battre. Donc on va mettre Silver, Ashen, parce qu'au final c'est eux qui ont du retard au niveau d'XP. Le Zoran et Astarox. Et on va tester comme ça. Comment ça marche ça déjà? Ah voilà, c'est comme ça que je veux faire. Ok. Ouf. Il a l'air puissant ce monstre, non? Skill, lights out, paralysie.
C'est sûrement faible à la foudre. Non, les oiseaux, c'est faible à la foudre, c'est bien connu. On sait pas en vrai. Et Guard Order sur ce devant. Pas vraiment. Ok, il est aveuglé. On va quand même essayer de encore le... Bon, ça va, j'ai l'air de faire pas mal de dégâts quand même. On va tenter le Firestar, mais il fera moins de dégâts normalement avec le Firestar. Parce qu'il a pas le... L'affinité... Oh, quoique, non, ça doit être sa faiblesse, le feu. Vu les dégâts... Ok, est-ce que... Putain, non, ils chopent pas tous de XP. Ça, c'est nul! C'est nul, mais d'une puissance! Genre, c'est quoi l'intérêt de t'inciter à avoir un groupe de 5 si ensuite t'es obligé de faire un déséquilibre au niveau de l'XP qu'il récupère parce que vous avez fait de la merde? Ça c'est nul, vraiment. Ah, il était impressionnant, mais seulement sur le papier. Ok, là ils sont combien? Ils sont 2. Si au moins les autres chopaient du XP parce qu'ils sont présents ou quoi, je comprendrais. Ça irait. Là en fait, c'est juste un coup à déséquilibrer ton effectif. On va quand même faire encore celui-là. Ça permet quand même un petit peu à Shen et... À Shen et Silver de... récupérer un peu de leur retard. Mais en fait, c'est à chaque fois le même ennemi. Honnêtement, j'ai pas lu ce qu'ils m'ont dit là parce que. J'ai quand même essayé de faire la quête du coup où on avait 3 gars avec nous. Ouais, voilà. Et là, on va mettre Silver et Ashen. Ils sont en arrière-ligne. C'est chiant, mais pas gênant. On va leur mettre coup de cross-slash, comme ça ils pourront faire quelques dégâts encore gratuits. En plus, ça, ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut spammer les attaques qui utilisent des TP au final, vu que ça nous les régénère entre deux missions. Je comprends que les gars en speedrun, ils font ça, parce qu'au final, on te file quand même des alliés qui ont un bon niveau. Et pour peu que t'aies deux personnages pas trop mal optimisés, ben, tu éclates tout, quoi. Et une fois que t'arrives dans le donjon, ben, t'es prêt. On va faire la limite, hop.
Genre, les gars devant, on en a littéralement rien à foutre de nous, on donne juste tout ce qu'on a. Il est mort, le Benjamin? Rien à foutre. Voilà, on a eu une autre victoire. On a reçu la masse d'Albert. Alors, juste voir... statut. 2200, 2200, 1200, 1600, 1900. Au final, c'est Artax qui est presque à la bourre maintenant. Or qu'il était en avance avant. On va faire une des quêtes là. Là, il n'y avait que un gars qu'on emmenait. Là, c'est trois gars, je crois. Ouais, voilà. On va prendre Silver, HN et du coup Artax, histoire de rééquilibrer à peu près l'XP. Pas l'âme de Benjamin, mais ça nous fera plus de choucroute pour nous, exactement. L'important, au final, c'est la choucroute. Il y a plein d'ennemis. En vrai, est-ce que j'utiliserai pas Dark? Mais non, mais ils ont assez de TP ceux de devant. Ok, il y en a un qui est paralysé. On a pu lui enlever à peu près la moitié de sa vie. Ok, ils sont tous bien amochés là. Et voilà, Agatha est morte. Repose en paix, Agatha. Ton mari va pouvoir trouver une nouvelle femme plus jeune, avec l'argent qui se serait fait grâce à son nouveau fruit. Oh mince, il y en a encore! Oh non! On va peut-être pas y arriver! On va peut-être pas y arriver! Oh, mais le Mumukyu, ça fait sur tous les ennemis. Vas-y, c'est bon. Ah, d'accord. En fait, ça fait rien en dégâts. Je pensais que ça ferait un peu plus de dégâts que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est la fin. C'est la fin. Oh non, c'est la fin. C'est la fin. J'ai été un peu optimiste. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On a déjà rééquilibré un peu l'XP. Ce qui est déjà bien. On va pouvoir retourner là. Il est quelle heure? Oh merde, il est 14h50. Ok, bah on va... quatrième étage. En sprint. On va sauvegarder à côté du boss. On va essayer de le taper. On n'est probablement pas prêt, mais... déjà, au cas où, on a un bon moyen d'XP. Parce qu'au final, le boss, là, le premier, il donnait quand même masse d'XP. On le battait vite. Enfin, le boss en mer, là. Et du coup, au pire, bah, on alternera, en fait, ceux qu'on emmène, tout simplement. On alternera qui on emmène en mer pour rapidement prendre des niveaux. Finalement, la choucroute, ce sera pour les monstres, ouais. Mais ils l'ont mérité, hein. S'ils ont été plus forts que nous, c'est qu'ils méritaient leur choucroute.
Ça me fait chier d'utiliser encore des TP alors qu'on est censé aller au boss. Je vais taper comme ça. Voilà. Ok, donc là on sait que ce qu'il faut c'est réussir à le coincer en gros dans un coin. Coin. Ne bouge pas mon petit. Ok, sauvegarde, hop, c'est parti. Attaque préemptive, voilà, ça déjà ça fait plaisir. Kikouken! Peut-être qu'il est faible au feu en vrai. On va pas remonter la défense suite parce que c'est le premier tour, on sait que... Il est vite! 44, ok. Et si on fait Volt Star, là cette fois on va augmenter leur défense. Il loupe. 75. Ok, l'électricité fait beaucoup plus mal. Tu vas te défendre. Toi, tu essaies de paralyser. Volt Star. Tu tapes. Et Ice Star, même si c'est pas... Mais il est vite. Mais non! Je lui ai dit de se défendre. Pourquoi il arrive pas à se défendre? Ce qu'on va faire, c'est HN va continuer à se défendre uniquement. Et je vais compter sur le fait... non, c'est pas ça que je sais. Ok, le Guard Order est toujours actif. Là, c'est plus actif. Je vais compter sur le Guard Order pour avoir assez de défense et tenir. Juste tenir. Ça commence à être chaud, j'ai l'impression. Peut-être mettre un petit médicat sur HN en même temps. Non. Mais pourquoi est-ce que Astarox est aussi lent quand j'ai besoin de lui? C'est passé presque pas trop mal. On était à un quart du combat. Je pense qu'en vrai, si je garde les deux de devant en défense, ou en tout cas, un tour sur deux, ils se mettent en défense, je pense que ça pourrait le faire. Par contre, là, je vais me faire déglinguer parce qu'ils n'ont pas de défense, pour rappel. Hein. Ah bah. D'accord. Et maintenant, je fais quoi? Oh, faut que je... Je suis censé attaquer les trous. De toute façon, j'ai... Attends, en vrai. Hein? Déjà, limite, j'ai quoi? Charge tactique, mais... Binary Thunder, let's go. Si la charge éthérique, je pouvais au moins la mettre sur le Zoran, ce serait intéressant. Bon, on n'y est pas du tout en vrai, hein, pour le battre. Je sais pas de combien de points de vie il doit avoir, mais... Je pense qu'il doit avoir un truc du genre 2500-3000 points de vie. Alors c'est jouable, hein.
Mais pas si les deux clones de devant n'arrivent pas à se défendre contre une attaque physique, quoi. Bon, c'est pas grave. On a tenté. On a finalement que pris, je crois, deux niveaux, hein, donc... Je pense que semaine prochaine, on peut l'avoir. On a réussi à le pratiquement mi-vie en étant rapidement réduit à 4. Semaine pro, on fait quelquefois les combats en mer pour monter de niveau rapidement. Je pense deux niveaux de plus. Une journée de farm pour choper les objets et avoir du coup la meilleure armure. Pour ma pareil, HN et Silver, toujours les mêmes hein, qui meurent. Et je pense qu'on sera en mesure de le battre. Il tombera et on en fera du pâté bientôt. Ouais, exactement. On fera du pâté et on se régalera sur son cadavre. Bref. Fin de stream pour aujourd'hui. Lundi, on reprend du coup Popful Mail, qui s'était donc révélé être bien mieux que ce dont j'en avais entendu parler, si ce n'est cette histoire de saut, qui est quand même vachement perturbante. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Et je le redis, mais j'adore... Ce petit fond d'Etrian Odyssey. Franchement, s'il y avait un truc pour enlever le Etrian Odyssey et le menu, je mettrais ça en fond. Un truc qui tourne juste comme ça avec les étoiles, mais c'est trop bien. Voilà. Mais du coup, ouais, à lundi pour Popful Mail, sinon jeudi prochain pour Etrian Odyssey. Et puis voilà. Allez, bonne fin de semaine. Tchuss.